La croisade du renversement des principautés personnelles et familiales continue avec pour orateur principal le pasteur Boniface Meynier qui nous a conduit aujourd'hui à prier contre toute forme de malédiction familiale, contre toute forme de mari de nuit. Résultat, délivrance, guérison et miracles ont montré la présence tangible de Jésus dans ce moment de combat spirituel. Nous avons tendu le micro à quelques participants. Je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance de la fin, on monte en puissance. On monte en puissance. Et comparé à l'édition de l'an passé, on est monté à une échelle, à un niveau un peu plus important. En termes de prédication, ça a vraiment pris du volume parce que vous voyez que le pasteur Meynier ne fait plus vraiment trop d'efforts par rapport à l'exhortation pour appeler les âmes à la repentance. C'est fluide. Et puis il y a une direction particulière qu'il reçoit du Seigneur pour conduire les choses. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Alors, je parle maintenant des semeurs, parce que je suis semeur. Il y a quand même, vous êtes d'accord avec moi, qu'on sent quand même une grosse progression au niveau des semeurs. Le côté musical, le côté scénique, et puis les voix, et puis l'effet d'ensemble, c'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est ce que j'ai pu dire. Je n'oublie pas les témoignages, parce que de plus en plus, il y a des choses exceptionnelles que Dieu fait dans la vie des gens. Donc, c'est ça que je voulais juste noter. Voilà, ce sont mes impressions à moi. Voilà, soyez bénis. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé la prestation des semeurs. C'était juste magnifique. Les pas de danse étaient bien coordonnés. Vraiment, il y avait de l'ambiance et puis bon, on sentait que Dieu était là. Voilà. Maintenant, concernant les prières, ça a été vraiment bien dirigé. Et le Seigneur nous a amenés à nous souvenir de certaines choses. Surtout quand le pasteur a dit, si nous avons été envoûtés par quelqu'un qui a volé nos richesses et qui est décédé, qui est parti avec, je me suis souvenu d'une parente qui me fatiguait. Bon, après son décès, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais en tout cas, pendant qu'on priait, le Seigneur a ouvert mon esprit. Et j'ai reçu que j'ai été délivrée. Donc je bénis vraiment le nom du Seigneur. Cette présence à Tiekwa n'a pas été fortuite. C'est vraiment que Dieu avait prévu de me délivrer. Et vraiment, j'ai bénéficié des grâces de Dieu. Amen. Aujourd'hui, véritablement, le Seigneur a travaillé. Et ce qui nous a marqué toujours, qui nous épate aujourd'hui, et à chaque fois, c'est la délivrance des frères. Le Seigneur Jésus, en tout cas, véritablement, ne nous a pas abandonnés. Et dans notre ministère, véritablement, le Seigneur produit des prodiges. Et donc, ce soir-là, je voulais vraiment être reconnaissant au Seigneur qui, véritablement, a délivré beaucoup de personnes. Les témoignages sont nombreux, les guérisons sont nombreuses. Donc, je vais bénir le nom du Seigneur de ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça m'a toujours épaté. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est descendu aujourd'hui. Vraiment, il y a eu beaucoup de délivrances. Nous rentrons bénis et nous comptons venir demain encore pour venir récupérer le reste des bénédictions qui nous restent. Vraiment, je dis merci à Dieu pour cette session que nous avons passée ici et nous avons vu vraiment la grâce de Dieu descendre sur nous. Et nous avons senti des délivrances, des bénédictions. Nous amassons nos bénédictions. Et je crois que demain, vraiment, ça sera une grande fête. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, cette prière m'a fait du bien. Ce que je ne voulais pas voir, ce que je voulais voir, là, j'ai vu ça aujourd'hui. Ma fille, combien de temps je suis derrière elle de venir à la croisade. Aujourd'hui, elle a mis pied à la croisade et elle s'est fait inscrire. Donc vraiment, le Seigneur a commencé, il va terminer. Je lui rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je vais dire infiniment merci à Dieu car pendant la prière, le pasteur Meynier a dit « Nous brisons tous les esprits de Marie de nuit cachés. » Nous avons été délivrés par ces maris de nuit qui nous tenaient en captivité. Donc nous voulons rendre grande grâce à Dieu car nous sommes délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen.
Encore une journée victorieuse pour les enfants de Dieu qui ont remporté de grands butins, délivrance, guérison et restauration. Merci et on se donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse.